Assalamu alaikum, que la paix soit sous vous. Je vous présente un livre assez intéressant d'un écrivain égyptien reconnu dans le monde arabe, dans la littérature de seconde moitié du XXe siècle, Naguib Mahfouz, Le Palais du Désir. Le Palais du Désir, un livre très intéressant qui en fait partie de la trilogie du Caire, hein, ce qu'on appelle la trilogie du Caire, avec L'impasse des deux palais et le jardin du passé, fait en 1956-1957. C'est l'année de ma naissance. Cet écrivain, en fait, aborde des sujets d'une nouvelle ère dans l'Égypte, l'Égypte des pachas, qui était sous gouvernorat anglais, dont la langue française était encore utilisée. Et c'est assez intéressant. Donc, il ne faut pas oublier que Mahfouz Naguib fut l'un des rares intellectuels égyptiens à avoir été en accord avec qu'on appelle ça, l'accord de paix entre l'Égypte et Israël en 1979, ce qui a mis les foudres des oulémas, non seulement pour sa littérature, mais aussi pour cela. Et ça, malgré qu'il était un fervent défenseur de la cause palestinienne, mis à part. Ce livre est très intéressant parce que, en le lisant, nous retrouvons une époque assez intéressante de la fin des pachas, on va dire des années 1920, où on relate encore sous le gouvernorat anglais, mais dont la langue française était encore utilisée pour certains et qui appréciaient la littérature française du 19e siècle surtout. Et d'autres, mais surtout du 19e siècle. Ce livre est assez intéressant parce qu'il est abordé à peu près à 20 fois des termes dans des sourates de El-Kolhan, de la révélation que je viens de citer, le prêche, le rassemblé, et des propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle les hadiths, ainsi que d'événements religieux. Je vous invite à lire ce livre ainsi que les deux autres, hein, qui s'appelle Le Jardin du Passé et l'Impasse des Deux Palais, mais ils peuvent se lire individuellement sans problème. Ce sont des personnages très intéressants dont on aborde la vie, et surtout c'est la ville du Caire, hein, dont est né ou a vécu cet auteur. Un livre à lire, et même pour ceux qu'on appelle les fondamentalistes, les intransigeants de la littérature, je les invite à lire ce livre parce que c'est un livre d'histoire aussi de l'Égypte des premières 50 années du XXe siècle et la fin de l'ère des pachas qui était sous le contrôle, comme tout le monde le sait, des Anglais, comme cette région de la Syrie à l'Égypte et d'autres endroits aussi. Que la paix soit sous vous, assalamu alaikum, et lisez ce livre de Naguib Mahfouz, Le Palais des Désirs.